Allez, on attaque la partie suivante. Là, c'est un jeu qui s'appelle Coyote Crash. Donc, je pars donc avec une balance de 1100 balles, un petit peu moins que précédemment. Car ce jeu, apparemment, j'ai lu sur les forums que des fois il paye, mais des fois il paye que dalle de chez que dalle. Donc, on va faire un petit essai. Alors, donc, c'est la partie numéro 93. On part donc avec 1100 balles de balance. Le jeu précédent, ça s'est terminé par un super win. J'avais quand même corrigé une petite erreur ici. Hop, sur 9250, j'avais mis un 0 en plus. C'était pas 92 000, c'était 9250. Enfin, un petit 0 qui m'avait échappé. Donc là, c'est la partie numéro 93 sur 100. Donc il en reste 7 pour atteindre donc les 100 parties. Alors, voyons voir. Table de paiement, table de paiement. Ça doit être par là. Ok, substitut pour tous les symboles. D'accord, on a l'escater. Alors, voyons voir. Les symboles payants. 12, 25 et 50 parties gratuites, les free games. Voilà, 50 ici on a 5 symboles. Alors les lignes de paiement, hop. Alors voyons voir. Alors 25, c'est peut-être un peu tendu. 12, 50, hop. Bon, on va attaquer à 12,50, on va voir un peu ce que ça peut donner. On va tâtonner le terrain. Alors, ça, c'est un jeu qui est dispo sur pas beaucoup de casinos, apparemment, car ça, je l'ai pas, je peux pas dire que je l'ai vu souvent ce jeu. Alors 13 balles. Ah, big win. Alors espérons qu'il soit bien big. On va voir. C'est des mises à 12,50. 151,50. Ok. Alors les free spins. Ça c'est intéressant. On a eu que les 3 symboles. On n'a pas eu les 5 symboles. Ça aurait fait 50 free spins. Alors, les 12 free spins restants, hop. Bon, mais si ça ramène de la pépette, ce sera arrêt de partie. Enfin, on va voir. Alors, un petit win à 66. Petit win à 6 euros, 5 free spins restants. Alors, un big win, ça peut être intéressant. Alors, espérons qu'il soit bien big, 106 euros. Total win 227,50 pour le moment. On va mettre 373,50. Alors, voyons voir. 1530. Réfléchissons. On avait commencé à 1100. Je pense que si on s'arrête à 1500, ben, ça fera un bénéfice de 400 balles. Donc, c'est pas négligeable. Éventuellement, si on continue la partie, c'est un risque de tout paumer. Donc, je pense que je vais jouer tranquille les 30 balles d'excédent. Hop, déjà ça. Alors mise 2,50. Voilà, on va se faire des petits spins à 1 € tranquille. On va jouer les 30 balles d'excédent, voir un petit peu ce que ça peut donner avec ce jeu. Mais une fois arrivé à 1500, c'est arrêt de partie. Alors peut-être qu'avec un petit coup de bol, on peut arriver à 1600 ou à 1700, mais bon, ce sera pas évident avec des mises à 1 €. Là, je préfère franchement arrêter à 1500 balles, prendre 400 balles de bénéf comparé à la balance de départ, ajouter 400 balles à ce joli montant. Autant en profiter. Alors, un 56 de win ici. Alors, encore un petit coup de la table de paiement. Je voulais vérifier un truc. Ok, l'escater, les symboles.
Ah d'accord, maximum win pour n'importe quel jeu en incluant les bonus, c'est 150 000 euros. D'accord, apparemment on peut gagner 150 000 balles avec ce jeu. Bon, j'imagine qu'il faut faire plus que des mises maxi pour ça. Alors, 16,20 € centimes de restant à jouer. Alors, 7,32 de gagné, d'accord. Alors 12,68 € d'excédent, enfin de restant à jouer. On va pas aller loin, je pense. Alors là, ça win que des centimes quand il y a du win. Alors 5,80 € de restant. Là, on va pas tarder à arriver à 1500 balles, donc ça va être un arrêt de partie. Hop. Ce serait éventuellement tentant de continuer, mais bon, vaut mieux prendre le bénéf de 400 balles qu'éventuellement tenter de tout repaumer. Surtout que des fois, avec ce genre de jeu, on paume tout vite fait, bien fait. Bon, mais pas de big win avec des mises à 1 euro. Alors, 1,36 €. Hop, on joue le dernier euro. Hop, rien ici. Alors, quelles sont les mises minimum? 25 centimes, on va pouvoir jouer ça. Bon, ben là, ça arrête parti. 1500 balles et 11 centimes. Donc, comme je disais, on avait commencé à 1100. Ça fait quand même 400 balles de bénéf, c'est pas négligeable, donc autant se taper un arrêt de partie. Et prochainement, on enquillera la partie numéro 94. Bon, bah sur ce, petit win sympa, donc vaut mieux arrêter là que d'éventuellement tout paumer. Donc on verra donc sur les prochaines parties, ce sera chanceux ou malchanceux. Bon, bah je vous quitte donc ici, donc c'était une petite courte partie, mais bon, comme je disais, un petit win, ça vaut mieux qu'une grosse perte. Donc arrêt de partie, donc rendez-vous très prochainement pour poursuivre ce challenge de machine à sous en ligne. Il restera 7 parties à faire et on sera arrivé à 100 parties. Allez, la bise à tous, à bientôt!